Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour ma nouvelle vidéo YouTube. Je fais un point sur mon mois de challenge, le concept que j'ai lancé de marche utile ou comment marcher 12 000 pas par jour. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Qu'est-ce que ça a changé? Quels conseils je peux vous donner? Pourquoi j'ai créé ça? Parce que je déteste le cardio et pourtant c'est très très important d'en faire, que ce soit pour la santé, le poumon. Et pourtant, c'est très très important, que ce soit pour la santé, le rythme cardiaque, travailler son cœur ou sa respiration avec nos poumons, c'est aussi très important pour nos atteintes d'objectifs physiques. En plus de la musculation, il est important de faire du cardio. Sauf que je déteste le cardio, donc quelle est ma solution? On sait que la clé essentielle à la réussite d'un programme sportif, c'est le plaisir que vous prenez à faire votre entraînement. Et j'allais au cardio vraiment à reculons et la plupart des temps, je le zappais. Et forcément, si on zappe une partie du programme, on ne peut pas réussir. Et en fait, c'est venu un peu naturellement, vu les beaux temps qui sont revenus. J'ai promené Buddy pendant le confinement. Le seul truc que je pouvais faire, c'était aller en longue promenade avec Buddy. Et je me suis rendu compte que c'était vraiment un effort physique parce que voilà, on a vraiment une marche active, on n'est pas en balade dominicale, on n'est pas non plus en hit super intensif, etc. Que c'était un sacré effort physique et que j'y prenais plaisir. En plus, en termes de programme sportif et l'élimination des graisses, la marche active cible en fait une fréquence cardiaque qui est l'idéal pour l'élimination des graisses. Pourquoi? Parce que on sait que la meilleure fréquence cardiaque pour l'élimination des graisses, donc la fréquence cardiaque à laquelle en fait, votre corps va puiser principalement sa source d'énergie dans vos graisses. Donc c'est pas celui où vous êtes vraiment trop tranquille, la balade en dimanche en vélo, ou non plus, ce n'est pas non plus le HIIT qui est trop intensif, c'est un entre-deux. Alors je pourrais pas vous dire ma fourchette de fréquence cardiaque qui cible l'élimination des graisses parce qu'elle est propre à chacun. Vous pouvez regarder sur internet, il y a des méthodes de calcul en fait qui vous calculent un peu la fréquence cardiaque à atteindre pour pouvoir favoriser l'élimination des graisses. Si vous avez une montre connectée, en fait, vous avez vraiment la fréquence cardiaque en temps réel qui vous dit effectivement si vous êtes dans l'élimination des graisses ou non. Et depuis l'arrêt du confinement, j'ai décidé en fait que tous mes petits déplacements, que ce soit pour aller chercher la farine qui me manque ou me rendre chez le médecin qui est à 2 km, je le faisais à pied. J'ai décidé de lancer l'idée sur les réseaux sociaux pour tous ceux qui n'aiment pas faire le cardio et vous êtes nombreux, de vous lancer ce challenge-là. Ok, on ne fait pas de cardio à la salle de sport, vous n'aimez pas courir. Mais par contre, vous avez tous des déplacements, vous avez tous des impératifs. Aller au boulot, aller chercher les enfants à l'école, aller à la pharmacie, faire des petites courses. Vous pouvez le faire à pied. Et je me suis calculé une bonne moyenne qui soit ni trop peu ni trop élevée pour pouvoir être accessible à tout le monde. C'était 12 000 pas par jour, ce qui correspond à environ 9 km. Ça a tellement bien marché que même ma mère m'a demandé en fait de pouvoir faire la même chose. Je lui ai commandé une montre connectée et aujourd'hui elle se fixe des objectifs de 10 000 pas par jour et je trouve ça vraiment super et vous êtes nombreux à avoir repartagé vos stories sur les réseaux sociaux. Concrètement, qu'est-ce que ça a changé? Donc un mois à 12 000 pas par jour et la plupart du temps c'était vraiment beaucoup plus. Et moi j'ai la chance d'avoir un chien donc du coup forcément on cumule encore plus de pas. Eh bien, en marchant pour toutes mes marches utiles, je n'ai plus eu besoin de faire une minute de cardio en salle. À la salle, je n'y vais que pour faire la musculation. Je ne suis pas montée sur une machine cardio depuis des semaines. J'ai maintenu mon poids, mais en plus, j'ai réussi à perdre du poids, moi qui ai vraiment des grosses difficultés à perdre ne serait-ce que 100 grammes. En un petit peu plus d'un mois, j'ai perdu 1,5 kg. Alors, je ne dis pas que la marche utile est responsable de ce 1,5 kg perdu. Il y a aussi le fait que je me sente un petit peu mieux dans ma tête, que je dorme un petit peu mieux. Mais c'est en grande partie dû à mes marches utiles. Il faut se rendre compte, en fait, je vous publie juste là. J'ai marché la semaine dernière 11h30. Vous vous rendez compte? 11h30 à marcher en une semaine. C'est énorme, c'est énorme. Et si on ne prend pas ces petites habitudes en fait, de marcher pour aller ici et là et qu'on arrête de prendre systématiquement la voiture, on se rend compte qu'on fait beaucoup de marches et on dépense énormément de calories. Et ce sont des bonnes dépenses énergétiques, comme je vous le disais. La fréquence cardiaque dans ces cas-là est idéale pour la perte de gras. Qu'est-ce que ça a changé d'autre? Ça a fait baisser ma cellulite. Et ce n'est pas forcément qu'une question de poids. Vous savez que la cellulite, c'est surtout une question de circulation sanguine. On peut avoir un poids très très faible et avoir énormément de cellulite. C'est beaucoup dû en fait à la circulation sanguine. Et qu'est-ce que vous faites quand vous marchez? Eh bien vous activez cette circulation sanguine, vous l'activez encore plus, le retour veineux est plus important et du coup la cellulite est beaucoup moins visible. Donc vraiment ça joue énormément sur la cellulite. Ensuite j'ai fait des économies de pétrole forcément parce que je me rends à pied pour tout.
j'ai bronzé, j'ai aussi, bah, ça m'a fait vachement du bien au moral, parce que de prendre l'air, de voir des gens, de rencontrer des gens, de redécouvrir sa ville, on ne se rend pas compte, mais en fait on ne connaît pas où on habite, on se rend compte qu'il y a des petites rues, il y a des petits magasins, il y a plein de choses comme ça, et c'est super bénéfique. Et moi, le retour en plus que j'ai, c'est d'avoir des dizaines et des dizaines de personnes qui m'ont envoyé leur story de marche utile, de 12 000 pas par jour, en me disant c'est super et tout, je vais le faire toute l'année, c'est marche utile, c'est trop bien. Je me rendais pas compte en fait que tout était accessible à pied. Et mine de rien, eh ben, vous travaillez pour l'environnement, vous avez moins d'émissions de gaz, de pollution à cause de votre voiture, puisque vous marchez à pied. C'est bon pour votre santé, c'est bon pour votre porte-monnaie, c'est bon pour l'environnement et c'est bon pour votre physique et votre morale. Ensuite, eh bien, tout simplement, vous économisez en gasoil ou en pétrole parce que vous ne prenez plus la voiture. En plus, c'est très bon pour l'environnement parce que vous polluez moins. Ça fait du bien au moral parce que voilà, vous êtes dehors, vous n'êtes pas enfermé dans une salle à courir devant un écran. Vous êtes dehors, vous découvrez votre ville. Moi en plus, ça fait pas très longtemps que je suis là, donc j'ai pris vraiment plaisir à marcher tout autour de chez moi pour découvrir la ville. Et on se rend pas compte, même si ça fait 10 ans qu'on habite là, et ben il y a des petites rues, parce qu'on passe en voiture, on n'a pas le temps de voir. Il y a des petites rues qu'on connaît pas, il y a un petit magasin, ah machin, non, ah il y a un raccourci. Et c'est comme ça d'ailleurs que j'ai découvert mon arbre fruitier, là, le mûrier blanc, en marchant. Ceci est un mûrier blanc. Regardez cet arbre là. On n'a pas l'impression que ce soit quoi que ce soit. On va essayer de monter en haut. Ah, ah merde. Voilà. Ça m'a même fait rencontrer quelques personnes qui, bah, à force de me voir marcher sur le même itinéraire presque tous les jours, surtout avec Buddy, quand je prenais Buddy, et ben j'ai fait des connaissances comme ça. Bref, il y a mille manières de pouvoir faire ces marches utiles. Et là sont mes conseils. Et bien tout simplement, à chaque fois que vous devez prendre la voiture pour vous rendre quelque part, dites-vous, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'incorporer de la marche là-dedans? Est-ce que je peux laisser ma voiture ici et y aller à pied? Par exemple. Du coup, comment réussir ces marches utiles? La première question qu'il faut vous poser, c'est est-il vraiment nécessaire de prendre ma voiture pour me déplacer? Je peux vous énumérer un tas d'idées. Évidemment, la liste n'est pas exhaustive, mais en voici quelques-unes. Déjà, la salle de sport. Finalement, c'est bête. Vous sortez de chez vous, vous prenez la voiture, il y a du trafic. Vous allez jusqu'à la salle de sport, il n'y a pas de place pour se garer. Vous tournez, finalement vous vous garez loin, vous marchez jusqu'à la salle de sport. Et une fois que vous êtes dans la salle de sport, donc déjà vous avez perdu 20 minutes, une fois que vous êtes dans la salle de sport, vous marchez sur votre tapis de course pendant 20 minutes, ça fait 40 minutes. Alors que finalement, sortir de chez vous et aller jusqu'à la salle à pied vous prend 25 minutes et vous êtes déjà échauffé pour votre séance de sport. Vous pouvez peut-être aller au boulot à pied. Si ce n'est pas le cas ou si vous devez prendre les transports, qu'est-ce qui vous empêche de vous arrêter une ou deux stations avant et de finir le reste à pied? Vous avez tous des déplacements impératifs comme par exemple aller à la poste, aller à la pharmacie, chercher la baguette. Généralement, ça, ce sont des commerces qui sont de proximité et qui sont accessibles à pied. Allez chercher vos enfants à l'école. En plus, ils sont contents, ils passent plus de temps avec vous sur le trajet de l'école. Je ne sais pas si vous vous souvenez, souvent le dimanche, je cheat. Voilà. Et j'aime bien avoir très faim quand je cheat. Donc généralement, je me fais une bonne séance de sport avant mon cheat meal. L'autre fois, j'ai repéré un bon indien en fait à 1h20 à pied de chez moi. Eh bien, j'y suis allée à pied. Retour, ça fait 2h40. J'avais super faim pour mon cheat meal. Et là, j'ai dû cumuler, je sais pas, au moins 15 000 pas. Et ça, ce sont des marches utiles parce que dans tous les cas, ça vous fait pas trop perdre de temps. On a tous des impératifs professionnels ou familiaux qui nous empêchent d'être là en train de marcher toute la journée, évidemment. Mais on a tous la possibilité de faire quelques pas, ne serait-ce que, ben voilà, mettez-vous un rappel. Si vous êtes sédentaire, que vous avez un boulot de bureau, que vous êtes assis très longtemps, toutes les heures, mettez-vous un rappel, ben allez jusqu'à la salle de repos pour boire un verre d'eau. Ça, ce sont des pas qui sont accumulés durant la journée. Moi aussi, il y a des journées où je suis vraiment overbookée, j'ai beaucoup de boulot sédentaire devant mon ordinateur. Et souvent, je vous dis le soir, ah, il me manque quelques pas, et ben je ressors, il est 21h30, je ressors avec Buddy marcher pendant une heure. C'est comme tout finalement, quand on veut, on peut. C'est vraiment à vous de trouver les petites astuces de vos déplacements impératifs. Si vous savez que tous les jours, vous devez aller chercher votre baguette de pain,
Eh bien, au lieu de revenir du boulot et de passer par la boulangerie, vous revenez du boulot jusque chez vous, vous garez votre voiture et vous allez à la boulangerie à pied. Et ça, ce sont des petites choses qu'on met en place tout au long de la journée. Évidemment, tout ceci est beaucoup plus simple l'été que l'hiver, mais je vais vraiment essayer de garder ça tout au long de l'année et je vous partagerai mon expérience aussi cet hiver. Ce concept ayant tellement bien marché, j'ai pour idée de vous proposer un programme sportif pour tous ceux qui veulent se muscler, se raffermir, perdre du gras sans cardio, parce que je sais que vous êtes nombreux à ne pas aimer le cardio. En revanche, vous aurez obligation de marcher ces 12 000 pas par jour. Donc dans votre programme, vous aurez tout le côté nutritionnel évidemment, mais aussi des exercices de renforcement musculaire, mais pas de cardio en salle. Par contre, vous devrez marcher ces 12 000 pas par jour. C'est une idée qui est en train de mûrir dans ma tête et j'espère vous la proposer très rapidement. En tout cas, voilà. Maintenez ça, vraiment, si vous pouvez faire ce concept de marche utile, faites-le, ça a beaucoup de bienfaits comme je viens de vous l'expliquer. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, je vous embrasse bien fort, très bon dimanche à tous, des gros bisous, ciao !